Et 73 à tous, la part de 14 km 33-01, Dundee 33 Rémi. Là, on est en train d'arriver sur Marraine. Ah, pour le salon du Rêve 17 qui aura lieu demain, la propague est là sur l'Europe. Alors, avant de commencer la vidéo, qu'est-ce que j'ai entendu? Le Portugal qui est en plein QSO avec la pub, avec énormément de départements français, l'Espagne, l'Angleterre, l'Irlande, enfin bon, bref, un petit peu partout là sur l'Europe. Donc si le temps est comme ça demain, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir s'enfermer plutôt que d'aller à la plage. Donc c'est très bon pour nous, et vu que la propague est là, ça va être jackpot. D'autant plus que, en plus d'être actif sur le 27 mégas, on sera aussi actif sur le 446. En principe, le plus simple pour aller à la salle, c'est de continuer là où on était, là sur la route principale, au feu à gauche et aussitôt la prochaine à gauche. Nous là, on fait un petit détour, justement pour éviter les feux. Il y a déjà du monde d'arriver. Ah oui, il y a des antennes qui sont là. On voit les antennes sur les camping-cars. Voilà la salle de Marraine. Ouais, voilà la salle de Marraine à gauche. Le parking à droite. Et quelques camping-cars en place. En ce qui me concerne, on va poser la remorque là derrière. Hein. On va la mettre dans un coin, l'attacher. Bon, là on est sur l'arrière de la salle. Bon voilà, la remorque est posée, attachée. On y reviendra tout à l'heure. Vous pouvez pas le voir sur la vidéo, enfin du moins sur celle-ci, j'ai repéré quelques antennes
Ouf. Donc là, pour arriver à la salle de Marraine, à la salle polyvalente de Marraine, là, je suis en train de vous la faire à l'envers. Hachi. Ah, petite portée musicale sur 555. Et là maintenant, ben, on s'en va, là il est midi moins 10, on s'en va au restaurant le Terminus qui est dans le bout là, de Boursefort-le-Chapu, la face au port. C'est un hôtel-restaurant là, qui est vraiment pas mal. Donc demain, activation depuis le stand même là, à l'intérieur de la salle, comme tous les ans. Chacun est libre de prendre les micros par la même occasion. Et à propos d'activation, l'annonce est passée là sur internet. Du 15 au 18 août, il y a l'activation Kilomike qui se fera là un peu partout, hein. C'est à chacun de son côté là, de se trouver un coin sympa et de d'y aller, de lancer les appels. Côté circulation, là c'est très compliqué là ici. Allez, c'est les vacances. Scandinavie. QRM me bouche un peu la vue là, ici au feu. Attention 14 km 33 06, attention 14 km 33 06 pour 14 km 33 01 qui t'appelle.
114 km 3306. Attention 14 km 3306 pour 14 km 3301 qui t'appelle. Attention Daniel, attention 14 km 3306 pour 14 km 3301 qui t'appelle. Ah, zut. T'as 114 km 3306 pour 14 km 3301 qui t'appelle. Voilà, on restera en le terminus droit devant nous. Regardez un peu cette vue qu'on a pour ce soir. Alors à chaque fois on dit qu'on va faire les QSO du canal 27 là depuis là, mais bon, on traîne à table et du coup eh bien on fait d'autres contacts. Parce qu'en plus de ça, avec voilà, je vais me mettre à une bonne place. Voilà. Là, vous voyez à chaque fois ce que l'on a. Le vendredi soir qu'on vient ici là pour faire des QSO. C'est que du bonheur. Et puis là aussi près comme ça, là, de l'eau, là je vous garantis que ça passe là, de tous les côtés.
Allez, nous, c'est pas qu'on s'ennuie, nous on va au gastro. Bon appétit. Bon ben voilà, on a fait encore une belle installation là sur le stand. Ouais, tout à fait. Voilà, ben écoute, demain, ben, c'est le grand jour J, voilà, comme j'ai dit. Bah écoute, on verra. Je pense qu'on va avoir du monde qui devrait venir nous rencontrer. Et puis des gens des Deux-Sèvres, un peu de la Gironde normalement, qui sont prévus là à venir. Voilà. Et je pense que la Propag aussi, Madame Propag, sera avec nous. Vidéo. Oui, affirmatif, oui. Il y aura même le département 57, j'en dis pas plus. Surprise, surprise. Normalement la Suisse. Attends, vas-y, passe. Vas-y, voilà. Normalement la Suisse. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi? Oh, je sais plus. Bon, bref, il y a d'autres QTH aussi. Voilà, affirmatif, voilà, ben, t'as vu, il y avait l'OM avec un kangou blanc là, sur le cloche, Rémi, avec une grotte de Paris-Dakar, il nous a regardé quand on est passé. Ah zut, j'étais occupé par la voiture qui était en face et du coup je l'ai pas vu. Ah j'ai vu que l'antenne, elle était encore plus grande que la tienne. Hein. Ah ben une Paris-Dakar, tu m'étonnes. Oui, après la Paris-Dakar, ça, c'est la celle qui a, tu sais, la grosse noire, l'antenne noire, avec la selle. Ah, c'est pas la Paris-Dakar, là. Ben c'est le... Je crois qu'elle est considérée comme Paris-Dakar, mais moi, je ne sais plus. On l'appelait la Paris-Dakar, je sais. Sans chipoter, la Paris-Dakar fait 2m75. Oui, je crois que c'est ça. Elle est en métal, un genre de métal doux, parce qu'elle se tord comme rien. Et... c'est un gros ressort chromé qui est à la base. Ah, tu as la Paris-Dakar 1, la Paris-Dakar 2. La seule différence que perso que j'ai pu voir comme ça là-dessus, c'est le sur la 2, tu as l'articulation à la base au niveau de la boule qui est en diagonale. Ah oui, ok, d'accord. Non, mais c'est pas ce modèle-là. C'est l'antenne président là, avec la grosse self noire. C'est l'antenne toute noire avec la grosse self. C'est cette antenne-là. Voilà, bon, W27. Ouais. C'est une antenne radio, HI. Ben, dis donc, il y a du monde qui remonte sur l'île d'Oléron, là. Hein, on les voit les vacanciers, là. Hein, c'est que de l'argent, là, sur l'île d'Oléron. HI, c'est la présidente WA27 dont tu parles. Voilà, c'est ça, tout à fait. Voilà, c'est celle-là. Elle ne me revenait pas, mais tu l'as dit. Ok. Ouais, en fait, là, je suis avec le micro pris en plus. Hein. Alors, toi, par contre, le truc que je trouve dommage, c'est que, bon, le gain, il est réglé à l'intérieur, pas de problème. J'ai même fait un petit trou derrière le boîtier, là, pour y accéder, comme ça, sans avoir besoin d'ouvrir le micro. Alors, du coup, là, devant, j'ai le micro de l'écho, là, toi, là, écho, enlever l'écho. Ah, moi, l'écho, là, je l'ai enlevé carrément, ouais. Voilà, tu mets pas ton pour aller à droite, ou tu vas tout droit? T'es, regarde. T'as vu, ça déconne. Un coup, ça s'allume, un coup, ça s'éteint. Oh, t'es pas belge, toi? Ah, si. ok, d'accord. Ouais, bon, de toute façon, t'es encore en vue, y'a pas de problème. Ah, oh, y'a qu'une voiture qui nous sépare, et t'as vu, parce que sinon, dommage le signal, hein. Ah, ben, tu as pas de plainte qu'il y a un beau signal. Ah non, ça je vais pas me plaindre, non. Ah mais voilà, c'est les camping-cars, les vacanciers là qui nous embêtent là. Voilà, on peut pas travailler tranquillement, hein, voilà. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous chipoter. Putain, je viens de regarder le signal aussi de mon côté. Il n'y a même plus assez de chiffres pour tout afficher. Quoi. Du coup j'ai mis le RFGA à zéro. Ah oui, ben moi j'ai mis la puissance à zéro, carrément. Le RFGA était ouais, vraiment que c'est le mieux de tout baisser. Ah mais j'avais déjà la puissance à zéro. Donc là, puissance à zéro, pour le réglage que j'ai fait, ça fait 4 watts. Hein. Voilà, 4 watts, 4 watts et demi, ouais c'est ça. Ouais. Surcharge effective, bien entendu, à HI. Et là j'ai mis en même temps les RFGA à zéro.
Ah ben là, moi, c'est pareil. En fait, j'ai tout baissé. La réception, là, et la puissance, ouais, c'est ça, ouais, le regain, et puis le PWR. Oui, oui, oui. Bon, mais tu vois, et tout à l'heure, là, en montant, là, ce matin, j'ai discuté avec un OM, comment il s'appelle. Il y a eu... j'ai mangé leur prénom. Normalement, ils viennent demain. Ils viennent, je crois que c'est du côté de Saint-Jean-d'Angély qui m'a dit qu'ils étaient. Ils sont deux ou trois à venir là, du 17, enfin plus bas quoi, du 17 côté Gironde. Comment il s'appelle aussi, j'ai mangé son prénom, tu vois, j'ai mangé les. On a discuté, mais comme j'ai pas noté, voilà, ça m'est sorti de la tête. Ouais, je sais. moi, c'est pareil, là, c'est mes sorties, mais je sais qu'il y en a du 17 là qui vont venir. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y en a un d'entre eux qui se demandait, là, c'est sur le forum, Rémi, je crois son prénom, R-E-M-I, si je me plante pas, qui hésitait entre venir samedi ou dimanche. Alors, je lui dis comme ça, ben tiens, je vais le décider de suite. Le salon, c'est que samedi. Et là où il y a le plus de monde, c'est le matin. Ah oui, donc oui, c'est pareil, moi il a fallu que je rattrape un certain OM parce qu'il croyait que c'était sur deux jours et attends que X. Donc il croyait que c'était sur deux jours et il dit non, c'est que la journée du samedi, c'est uniquement sur le samedi. Ouais, voilà, et pourtant c'est marqué en gros hein, sur les affiches, dans les commentaires, c'est marqué partout. Hein. Mais bon, enfin, c'est pas grave. Ah ouais, non, mais tu sais, il y en a qui comprennent que ce qu'ils veulent entendre. Hein. Ceci est une autre histoire. Achille. Bon, j'espère que ça va se dégager un petit peu tout à l'heure, là, pour qu'on puisse s'amuser un petit peu. J'espère. Oh, il n'y a pas de raison. En plus, là, on va être carrément face à la flotte. On a le meilleur plan de masse qu'il peut y avoir. Ouais, par contre, tout à l'heure, je regarderai là, comment est la marée, si elle est descendante ou montante. Bon, déjà, on va le voir quand on va arriver. Voilà, donc, comme ça, ben, oui, si elle est montante, c'est que du bon. On va en descendant aussi, hein, voilà, mais enfin, c'est vrai que ça serait bien. Ouais, ben, ce que je veux dire par là, c'est que ben, si on ne peut pas sortir les antennes, on fera sur les antennes du push, et puis c'est tout. Hein. Ah, tout à fait, on fera avec, hein, ça c'est clair. Hein. Voilà, comme sur le long de la route, avec toutes les personnes que j'ai discutées là. Ah oui, il y a Gérard que j'ai contacté ce matin, là. NOM, là, du 79, il était. Et ils viennent de temps en temps là, discuter sur le QSO national. D'accord, ok. Ce matin, alors, j'ai pas vraiment envie de prendre le micro. Par contre, j'ai fait le tour de galette. Ouais, j'ai entendu la QSO sur le canal 1. Il y en avait un autre sur le canal 3. Je parle sur les 40 cannes normaux. Hein. J'ai entendu aussi c'est les Portugais là, qui sont LSB. Hein. Je sais plus autour du 30 ou 35. Non, je sais plus dans ces eaux-là. Ouais, ok, ben j'ai rien entendu moi sur les petites sur les fréquences basses là. J'ai eu un peu de monde sur le 19 en montant. Oui, un peu de monde sur le 19 et le triple 5. Voilà, j'ai fait 4 ou 5 QSO. D'accord, eh ben c'est pas compliqué, je suis sorti des 40 canaux uniquement quand on est sorti de l'autoroute. Voilà. c'est comment j'ai fait ce matin quoi. Avant ça, je suis resté sur les 40 canaux tout au long de la route à écouter un petit peu à droite à gauche. Et une fois rendu en Charente maritime, sorti de l'autoroute, paf, bon je sais que là c'est plus calme de ce côté-là. J'ai basculé en SUP. Hein. Et en SUP, j'ai navigué là, sur le 455, 555, un peu partout. Ouais. Voilà, mais c'est ce que j'ai fait aussi, hein. C'est ce que j'ai fait aussi à Montana. Là, j'ai eu 4 ou 5 QSO là, j'ai fait ce matin. Voilà, bon, mais quand j'étais appelé là tout à l'heure, c'était pour ça. Je ne savais pas si tu es parti de bonne heure, et bon, je savais tout ce que tu avais à charger. Et moi, hier soir, j'ai débauché, tant pis, j'ai dit, je charge tout ce soir. Comme ça, demain matin, j'aurai qu'un minimum à mettre dans la voiture, et j'ai chargé tout le gros le matin, ça fait le
le mât, tout ça, le, et tout, en fait, toutes les caisses, j'ai tout chargé hier soir. Et donc, voilà, comme ça, moi, ce matin, j'ai pris la voiture et puis j'ai pu partir tranquillement. Ben oui, non, mais tout ça, moi, tout le chargement et tout, je l'ai surtout fait hier matin. Comme ça, là, avant que la chaleur commence à monter méchamment. Putain, mais à la maison, c'est encore monté costaud, là, hier. Oh, putain, la vache. Et c'est vrai qu'au QRA, t'as une impression de feu, là, dehors. Ah oui, non, mais ça m'étonne pas, hein, parce que, vu le temps qui fait, là, c'est... qu'a fait là ces derniers temps là, de toute façon il fallait que ça éclate, hein. Cette pluie là elle est pas là, elle n'est pas arrivée par hasard, il fallait que ça se dégage et pour repartir de toute façon je pense en plus que la semaine prochaine on repart sur de nouvelles températures, bon un peu moins chaudes je crois, mais enfin on revient à la hausse. Ouais, bon, de toute façon, on n'a pas le choix, on le prend comme ça vient, hachis et puis voilà quoi. Oui, puis il faut se dire que malheureusement, plus ça va aller, plus on va aller, plus les années vont avancer sur des températures à la hausse. Voilà, donc à la hausse ou au Vietnam, ben, je sais plus, peut-être le Cambodge. Oh, il est en forme, il est en forme. Tiens, à propos d'en forme, bon, ça reste encore à voir ce que ça va donner par la suite. Mais l'année prochaine, au mois d'août, il est possible qu'il y ait des gens du froid qui viennent dans le chaud. J'en dis pas plus. C'est ça qui est chiant. Ah, bah écoute, je t'ai carré peut-être, ouais, comprends. Ah si, j'aime ça, quoi. Je donne un petit peu, pop. Et, et puis après, ça sera surprise, surprise. On a tout le parking pour nous, c'est pas beau ça. L'eau a baissé par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure. Ah, donc elle est en descente, marée descendante l'eau. Voilà, je pense qu'elle est en marée descendante. Bon, je vais me mettre là, tiens. Voilà, pour être à partir demain matin. je vois pas les bateaux, je vois, ça m'aurait donné l'indication, mais là je vois pas les bateaux dans. Comment ils sont. Comment est la marée là. Les bateaux, ils sont à ta droite, les bateaux. Pauvre tâche, ben. Excellent, ben. Il est pété de rire. Oui, allez, 73 à tous, de 14 km, 3306 mobile, sur le département 17, la Charente-Maritime, en compagnie de Dendy 33, voilà, 73 à tous, 14 km, 3301. 73 à tous. Ok, Daniel, n'oublie pas de remonter la puissance et surtout les RF gains là, pour tout à l'heure. Sinon, ça va te faire bizarre. Tu vas te dire, merde, il n'y a plus de propag aujourd'hui, hein, ce soir. Hachi. Ok, 73 à tous. Nous, on va profiter de notre soirée. Et à tout à l'heure, à la tombée de la nuit, soit pour le QSO du canal 27, ou si c'est comme à chaque fois trop tard, eh bien, ce sera direction DX. Alors, lui, à fond, lui, ah bah ça fait de suite plus de bruit. Alors, tac. Si, ça mijote derrière, ça mijote. Alors Daniel, 100h, 14 km, 3306, là il est en train de s'installer en 446 mégas. On a de la propague, on a l'Amérique du Sud, tout ça là qui passe en ce moment. J'aime ces postes, les postes posés comme ça sur le dessus, t'as l'autre dehors. Ah, c'est génial comme ça. On voit tout. Et là, tu mets le pocket. Hein. Ouais, le pocket en 446. Pour voir s'il y a du monde, on va baisser un peu là. Et
le mobile que t'as mis, c'est un quoi? Le mobile. Que t'as mis la station. Ah, c'est un CRT Un CRT U, mais... Ouais, plus petit qu'un paquet de cigarettes, quoi, le truc. Attends, j'avais le papier. Ah, voilà. C'est le CRT Space U. Voilà, 17 watts. Ah, quand même. Ouais, 17 watts. Ils ont réussi à les loger dedans, quoi. Ils ont réussi à mettre 17 personnes dedans. Voilà. Et là, je suis avec l'antenne CX440 de chez Serio. Voilà. Ah, d'accord. Ouais, la petite antenne qui est là-haut, là, c'est la CX440 de chez Serio. On va voir. Appel 446, appel 446 de FRS 2373, Daniel depuis le port de Boursefroid, le Chapu, pour l'activation du salon radio amateur de Marraine. J'ai pas répété, ça va m'embêter ça. Hop, il était bon le pastis ce soir, il était bon. Et la moule bien léchée. Et la moule bien léchée. Allez, bien propre, ma moule. Qu'est-ce que ma moule? Ça, c'est dans la boîte. Appel 446. Appel à 446 de FRS 2373 depuis Boursefond le Chapu pour l'activation du salon radio amateur de Marraine, QRZ. Bon, ben d'accord, on est fixé de ce côté-là. Oh, il y a plus de monde sur le 27 mégas quand même. Hein, ouais. Là, c'est un flop complet. Quoi. Bon, ok, je aussi moi dans la voiture. Vu qu'il y a de la propague qui est là. Bon, on va voir ça de plus près. Appel 446, appel 446 de FRS 2373. Daniel 14 km, Mike 3306 en mobile sur le. Pour ce fond, le Chapu pour l'activation du salon radio amateur de Marraine, QRZ. Peut-être qu'il faudrait envoyer un message sur... Oh putain, surprise. Rémi, là, sur Boursefroid le Chapu, là, depuis le port de Boursefroid le Chapu. Ah oui, mais moi, je vais faire un tour vers l'île de Léron, comme je ne connais pas, et je vais attendre demain. Mais moi, j'ai pas d'indicatif encore, hein. Je suis tout nouveau. Ah, mais écoute, bienvenue, là, hein, sur l'air des UHF 446, hein. Voilà, hein, donc, bien les 73, là, mais on est équipé 11 mètres aussi, là, je sais pas si tu écoutes derrière. Voilà, donc on est équipé et la propagation, là, elle est vraiment à profusion. Hein. Je vais traverser le pont là. Ah, ok, d'accord. T'es sur le pont de l'île d'Oléron alors. Ben, nous on est juste à gauche. Quand, si tu descends là, on est sur ta gauche, à la pointe. Au bord du port, juste en face du fort. Attends. Moi là, maintenant, je suis un peu au milieu du pont. Ok, mais tu vas direction l'île ou tu rentres sur le continent? Je vais sur l'île. Oui, sur l'île, oui. Ah, derrière à sa droite. Donc on est derrière toi à ta droite alors. On est à Boursefroid-le-Chapu, la dernière ville que tu as, le petit village que tu as là, juste au niveau du fort là. Hein. Voilà. Et là j'ai une antenne, là, une petite Serio là qui est posée là. Et puis donc avec mon petit pocket là. Ah mais alors vous êtes avant le pont alors? Ah oui, tout à fait, oui, on est pas juste avant le pont là. On n'est pas dans l'eau. Ah, je connais, oui, j'avais vu l'année dernière, il y a un parking, il y a même un restaurant, c'est pas ça à côté? C'est ça, le terminus. C'est ça. Oui, tout à fait, hein, tout à fait, on est juste là, comme tous les ans, pour moi, ça fait 3 ans que je consommais là, avec Rémi, là, Kilomike, 3301, là. Le stand de la planète Sibi francophone. Voilà, on sort avec l'espace Sibi francophone, hein, la planète Sibi francophone, voilà, c'est, si tu viens demain, on sera sur le stand et il y aura l'antenne aussi 446, hein. D'accord, et qu'est-ce que je veux dire, vous y restez longtemps, là, sur le parking?
Ah ben écoute, si jusqu'à tu veux... Jusqu'à temps qu'on ait plus de gasoil. Voilà. Et tant qu'on ait plus de batterie. Voilà, non, ben écoute, si tu veux venir faire un petit coucou, ça sera avec grand plaisir de venir faire la visu. Je vais faire demi-tour, reprendre le pont et je vais essayer de... Voilà, mais je vais venir. Allez, au tout à l'heure. Ok, bien, je te remercie, là, on t'attend. De toute façon, nous, on va être... je laisse le pocket allumé, là, et puisqu'apparemment, tu es le seul qui m'a répondu. Maintenant, moi, est-ce qu'il y a d'autres OM qui soient derrière, qui écoutent, je ne sais pas. Ben, écoute, autrement, on sera sur le 11 mètres aussi, hein. Ouais, d'accord. Allez, de toute façon, tu verras l'antenne, il n'y a pas de problème sur le parking, elle est visible. Hola. Hola. Oui, hola, 88. Elle marche bien ton antenne. Hein? Oui, 88, bonjour, Daniel. Bonjour madame, je vous écoute là, Daniel, là, depuis Bourse-Franc-le-Chapu. T'as pas vu qu'elle a perdu la boîte qui parle? Ça doit se demander qui c'est qui me parle. Oui, exact. Et c'est. Redis-moi le nom de l'antenne. Je l'ai pas en tête. Voilà, c'est la. Si on peut arriver à la voir là. Je la vois en fonction. Voilà, si tu peux la voir en vidéo. Ça, c'est pas dit ça. Voilà, je sais pas. Alors, attends, on va descendre un peu. Voilà. Non, avec la lumière, c'est flou. Voilà. Vas-y, dis-moi. Alors, c'est l'antenne Charlie X-Ray 440 Sirio. Voilà. Et avec le. Mon petit Voxom UV. Tu l'as par là, KGUV9D, voilà, c'est ça. Elle est peut-être même en vente sur le stand, peut-être sur le salon, je veux dire, celle-là. Chez GoTechnique. Chez GoTechnique, ils la vendent. J'ai vu une 440, c'est une 440 mégas. Ouais, 440, ouais, 440. Elle atteint quand même le. Elle couvre quand même le 440. Elle couvre et elle est réglée pile poil pour le 446. Ah oui, tu l'as réglée pour. Non, elle est vendue comme ça, mais elle couvre. Et tu parles anglais? What's your name? Ah, je suis bleu là. What's your name? Juan El Fuente. Está super guay como se ve. Y el. Madre mía. Bueno, que tiene el parque. Voilà lo que tiene el parque. Ils discutent entre eux. Ouais. Ah, il est là. Le... Ouais, moi, je vais aller voir du côté 27. Là, c'est. Là, c'est pas mal. Là, c'était une belle petite expérience. C'est espagnol. C'est un grande. Ils sont entre eux. Oui, Maria. Maria, est-ce que vous avez la copie de Daniel? Maria, est-ce que vous copiez Daniel? Tu vois, que ça va t'envoyer chier en français pour le coup. Bon, j'attends la propagande du côté 27, j'y vais. Quoi. Bon. Oui, attention, Maria, pour Daniel. Eh, j'ai pas vu comment il a fait ça au sol. D'accord. Alors, il a une plaque ou une planche. Donc, il a mis la voiture dessus, voilà, tout simplement. Ok, voilà. Un simple pied de on dirait un pied d'échafaudage. Oui. Ouais, ça ressemble à un pied d'échafaudage. Et puis, et voilà. Eh ben c'est tout bon ça. J'ai entendu du monde appeler là pour nous. Oh, monte le son pour nous. Appel de 14 km, 3306. Appel de. Ah, on a fermé. 14 km, 14 km, 3306, Daniel, depuis Bourse-Franc-le-Chapu pour l'activation du salon radio-amateur de Marraine. QRZ. Ah, par contre, il faut que je baisse le tout parce que. Appel de 14 km. Appel de 14 km 3306 en activation depuis le salon radioamateur de Marraine, QRZ. Ludivine. Attention Ludivine pour Daniel km 3306. Sur le Var,
Hein, oui, je sais. Mais c'est, tu sais qui c'est? Ah oui, je t'expliquerai après. Attention, lui divine pour Daniel. Il faut te fermer peut-être. C'est retourné. Oui. Attention lui divine pour Daniel. Tu te trompes de micro, hein. Tu te trompes de micro là. Tu t'es trompé de micro? Non, parce que je sais. De quel côté? Attention lui divine pour Daniel Kilomike 3306 depuis Boursefranc-le-Chapu pour l'activation du salon radio amateur de Marraine. Attends, j'ai pas tout compris moi. Mais peut-être que je sais, avec si un peu de propagande du UHF, si ah on oui, a de la chance. Je sais pas si. Ah oui, non, c'est. Tiens, à ta peine. J'ai compris 515, mais. Non. Oui, attention, Ludivine, pour Daniel. Attention, Ludivine pour Daniel. J'ai pas compris la fréquence que c'est là. Attends, je vais faire chauffer les chevaux. Oui, le 73 14 Alpha Bravo là. 14 Kilo Mike 3306 mobile là, pour l'activation du salon radio amateur de Marraine là depuis Boursefranc-le-Chapu. QSL, il n'y a pas de problème. Hein. Ben nous là on est actuellement, là on fait l'activation depuis Boursefranc-le-Chapu, là, depuis le bord de l'eau, là, au niveau de Boursefranc-le-Chapu, pour justement le salon radio amateur de Marraine, où nous serons demain avec la planète Sibi francophone, avec le groupe de la planète Sibi francophone et le groupe Kilo Mike, le FCBA et SAV Radio 33. Voilà, ok, est-ce que tu as QSL? Je s'ouvre ça dans la voiture, ouais. C'est Rémi, 14 km 33 secondes, Bandi 33. Moi je me trouve actuellement sur la région, je me trouve sur les hauteurs du château d'eau de la Gravelle, sur les Grands-Feuilles de Nice. Donc voilà, il y a une hauteur là, en général, quand je viens au terrain familial de papa et maman, ma fille hein, encore, eh bien je vais dans ces coins-là parce qu'il y a une belle hauteur, et pour ça de la radio en mobile, ça donne quelques belles perspectives avec vos QSL. Depuis les années 80, et voilà, donc je vais.
Je serai bien tenté, mais bon, voilà, j'ai quelques jours, et donc j'ai l'objectif d'avoir les enfants, les petits-enfants, voilà, j'ai des choses qui sont prioritaires, mais bon, je serai dans l'air. De toute façon, le poste étant sur le dans la voiture, hein, je serai sur le 27555. Voilà, donc l'appartement, je serai à l'affût, et pourquoi pas peut-être pour ce franc, voilà, je pense que voilà. Donc je ne fais pas de promesses, hein, je ne préfère pas, mais je vais voir ça. Voilà. Mais c'est quand même assez étonnant. Si tu me dis que tu fais la radio depuis les années 70, ben bon, c'est vrai que mon premier contact, je l'ai fait en 1978. Hein. C'est l'époque où sur la Rochelle, il y avait l'opérateur, c'était quand Tango, je crois, Tango, je ne sais plus le nom de l'opérateur. Voilà. Et après, dans les années 80, donc à mon tour, j'étais apprenti à l'époque. Bon, ben, j'ai fait de la radio, il y avait la station Fémur, qui était un chirurgien de Saint-Rochelle, je crois, il y avait aussi la station TGV, qui à l'époque était chauffeur donc de TGV, quoi. Alors il y avait eu toute cette panoplie d'OM, il y avait à l'époque aussi STX sur Forge, qui est devenu aujourd'hui, maintenant qui a passé la licence de radio amateur, et qui voilà, qui est passé sur d'autres ondes, on va dire. Mais j'ai bien connu tout ce petit monde-là à l'époque, là, c'était vraiment fantastique. Hein. Voilà, après, bon, c'est vrai que plus on allait vers les milieux 90, on va dire aller 88, 90, c'était un petit peu. Il n'y avait plus beaucoup d'âme au niveau de faire des contacts, on va dire, intéressants. Bon, il y avait de la modulation, il y avait des gens, un manque de politesse, bon de l'esprit, il y avait, ouais, bah, c'était bordel, quoi, voilà, tout clairement, voilà, autant mettre les mots justes, hein, sur ce qu'on a à dire, c'était franchement le bordel, donc, voilà, il y a un tas de trucs comme ça, mais j'ai bien connu que le début, enfin bon, moi, pas le début 70, hein, bon, sur la fin 70, mais déjà, j'ai chopé le virus, quoi, à l'époque, et c'était vraiment fantastique, hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je retrouve beaucoup de plaisir, voilà, comme j'ai dit, hein, ce poste, en plus, Ville-Grenier, je vais acheter 5 euros, hein, voilà. J'étais en promenade, je vois le poste, je le regarde, et la personne me dit, bon, mon mari est parti, il doit revenir, donc, est-ce que 5 euros, ça vous intéresse? Eh bien, j'ai dit oui, tout de suite, et j'ai pris, ça vers quoi, ouais, 5 ans que je l'ai, eh bien, rien du tout, bon c'est un vieux coucou, hein, enfin, contrairement à tout ce qu'il y a aujourd'hui, mais il tient bien la route, hein, ce petit président Jackson, Christel. Moi j'ai ton prénom d'opérateur, mais 100% QSL. Voilà, bon mais écoute, c'est super, mais si tu as 5 minutes, je sais que la tentation est grande, mais voilà, donc nous on se voit sur, quand je t'explique au salon, là, derrière la salle, à la salle polyvalente, derrière l'Intermarché, hein, à Marine, voilà, c'est là que se fait le salon. Okay, il est trop près. Le prénom de l'opérateur, je ne sais même pas si je l'ai dit en plus, autant moi. L'opérateur, c'est Pascal. Hein. Pascal, donc voilà, la station, c'est 14 à Saint-Bravo. L'opérateur Pascal, voilà, qui depuis quelques années maintenant sur le département 44. Et je viens régulièrement sur le 17 parce que là, j'ai mon frère, j'ai mon fils. J'ai encore ma mère dans le coin. Donc voilà, je viens très régulièrement sur Rochelle, quoi, du 44. Et vice versa. Voilà Daniel, merci de ce petit contact vraiment sympathique, hein. Et je prends note au niveau de ma mémoire là, pour le salon là, sur Marine. Voilà Daniel, la bonne fin de soirée, le bon contact à Mondix. Tu sais, il va falloir quelques stations. Hein. Voilà, parce qu'apparemment la propagation, elle a l'air d'être là. Bon, elle n'est pas à 100%, mais je pense suffisante. Voilà Daniel, je ne te fais pas plus longtemps. La bonne soirée, merci de m'avoir répondu. Et puis, mais écoute, à bientôt. Ok Pascal, ok, ben, tout ça QSL, hein. Ok Pascal, 100% QSL pour toi. Et je vais te souhaiter une
CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur Bourse-Franc-le-Chapu, de Charente-Maritime, et qui vous propose un QSY sur le 27-515. 27-515, c'est parti pour moi. CQ, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, le département de la Charente-Maritime, depuis le port de Bourse-Franc-le-Chapu. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, depuis le port de Bourse-Franc-le-Chapu. Ah ben lui qui est garé à côté de moi, il fait un contact. Et bon. Les aléas de la radio. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le département 17, depuis Bourse-Franc-le-Chapu. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le département 17, la Charente-Maritime, depuis Bourse-Franc-le-Chapu. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le département de la Charente-Maritime, depuis Bourse-Franc-le-Chapu. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel depuis le département de la Charente-Maritime, Bourse-Franc-le-Chapu, et qui vous propose un QSY sur le 27545. 27545. C'est parti pour moi. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le département de la Charente-Maritime, depuis le port Bourse-Franc-le-Chapu. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le port de Bourse-Franc-le-Chapu, la Charente-Maritime. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le département de la Charente-Maritime et qui vous propose un QSY sur le 27545. 27545. 27545. C'est parti pour moi. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le département de la Charente-Maritime, depuis le port de Bourse-Franc-le-Chapu. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le département de la Charente-Maritime, depuis le port de Bourse-Franc-le-Chapu. CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le département de la Charente-Maritime, le port Bourse-Franc-le-Chapu, et qui vous propose un QSY sur le 27545. 27545.
C'est parti pour moi. CQ, CQ, CQ DX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le port de Boursefranc, le Chaput, la Charente-Maritime. CQ, CQ, CQ DX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le port de Boursefranc, le Chaput, la Charente-Maritime. Fais attention à la voiture, je vais monter chercher là. C'est quoi, tu m'as fait hyper peur, ça. Je vais chercher ma veste. CQ, CQ, CQ DX, de 14 km, 3301, qui là s'appelle en mobile depuis le port de Boursefranc, le Chaput, la Charente-Maritime, et qui vous propose un QSY de 27 545, 27545. C'est parti pour moi. Je vais repasser le pont. CQ, CQ, CQ DX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le port de Boursefranc, le Chaput, la Charente-Maritime. Putain, pourtant j'en lance des appels, bandel de. Bon, ok. On va faire autrement. Fox Bravo 25, I think we also had a QSO earlier today, Roger. I'm doing just fine, David. So many contacts, I don't know how many, but I think I have passed 100 now, QSO. Toutes ces antennes qu'il a dessus. On vient de faire un visu là à l'instant. Thank you, Paul. Dave, I'm so happy that you come back to me also. 163 Fox Bravo 225 by Dave. 20 Sugar Delta 847 by Sierra Junior on this side also. I'm only surprised that I have not listened to, 52 Division and Iceland today. Have you copied the 27 or 52? Pourtant ça passe. Hein. Ça passe pour le copain, ça passe pour les autres. Et putain, il y a des gags comme ça là en fréquence. Comprends pas trop. Peut-être que si je bougeais la voiture de quelques mètres, ça serait complètement différent. Et oui, ça le fait ça aussi. CQ, CQ, CQDX, appel de 14 km, 3301, opérateur Rémi, qui lance appel en mobile depuis le port de Boursefranc, le Chaput, la Charente-Maritime, et qui propose un QSY sur le 27-565, 27-565, 27-565, c'est parti pour moi.
CQ, CQ, CQDX. Appel de 14 km, 3301, Perrotin Rémy. Dandy 33 dans sa pelle en mobile depuis le port de Boursefranc-le-Chapu, la Charente-Maritime. I assume, sorry, no speak English. I speak French. Sorry. Va vraiment falloir que je me mette aux langues étrangères. Mais... langue fourchue, toutes les autres. Oui, les 73 à la station de la part de 14 km, 3301, opérateur Rémy. Voilà, en mobile sur le port de Boursefranc-le-Chapu. Ouais, bien reçu le ballon. Ok, 100% QSL, demain, enfin, non, j'ai pas eu 100% QSL de tout, car là, on a été surmodulé là, par une station étrangère. Et je suis désolé, hein, je parle que le français. Hachis trois coups. Alors, les conditions de trafic, là, pour ma part, eh bien, c'est le CRT 7009, avec comme antenne une Wilson 5000, mise en perçage, là, en plein milieu du toit. Le micro, c'est un micro qui date des années 80, là, un micro préampli, un PAN ECM 2018. Alors, quand on dit 2018, c'est vrai que c'est un micro là, qui a été repris par pas mal de marques. Hein. CRT et plein d'autres. Il hein. y a énormément de marques là, qui ont repris là, ce micro et c'est vrai qu'il est de très bonne qualité. C'est vrai que j'en suis content. Par contre, il a un gabarit un petit peu encombrant. Mais bon, à côté de la qualité, on passe là-dessus et puis on le tient bien en main. Car justement, à propos de ça, il y a intérêt à avoir des grandes mains pour le tenir celui-là. Hachis trois coups. Et pour la position géographique, eh bien, je suis en plein sur le port de Boursefranc-le-Chapu. Là, dans le bout, là, juste en face, à côté, pas loin du pont de l'île de Léron. Et juste en face de moi, c'est le, si je ne me trompe pas, c'est le fort Louvois. Là que j'aperçois là juste droit devant moi. Ok Rémi, ok, ben là, je situe plus ou moins bien à cause de là. Bon, je suis originaire de la Charente-Maritime et je suis parti depuis quelques années m'installer vivre sans vente, hein, voilà, pour plein de raisons. Hein. La première raison est unilatérale, je suis trois coups. Et la seconde, le travail. Donc j'ai la famille qui est restée ici, donc le frangin, j'en combat. J'ai le piston, donc je viens voir et très régulièrement sur la Rochelle, chez Péron, et tout ça, c'est un coin que je connais parfaitement. Hein. Voilà, mais moi pour ma part, mes conditions de travail, c'est un bon vieux président Jackson, hein, voilà, le bon vieux président Jackson, environ une douzaine de whisky. L'antenne, c'est l'antenne magnétique, la ML145, au milieu du toit, et c'est un micro d'origine, donc voilà, un vieux poste, un vieux coucou. Mais qui marche encore très très bien, des fois on fait même des frayeurs tellement vous voyez, enfin, des contacts de folie. Voilà Rémi, avec votre permission, j'ai remarqué un petit blanc parce qu'il me semble qu'il y a une station qui s'est présentée tout à l'heure là. Alors voilà, si vous voulez bien, je vais laisser un petit blanc et on va voir si la station qui s'est présentée est toujours présente. Avant le jury. Monde. Oui, là, je suis avec l'OM que tu as eu tout à l'heure. Ah, d'accord. Bon,
écoutez, Rémi, apparemment le micro il est excellent. La personne n'est pas restée, donc voilà. Vous gardez le curseur à zéro, c'est pour les courses. Oui, je sais, oui. Ok, merci du retour du micro. Eh bien, tout à l'heure, vous étiez justement là en QSO avec 14 km 3306 Daniel, qui est la voiture de stationner juste à côté de moi. Voilà. Hachi, ça c'est pour la petite anecdote. Ok, oui, effectivement, il m'avait bien parlé de Rémi tout à l'heure. Voilà, après, là, voilà, j'ai fait le rapprochement. Ah, ben, c'est pas mal ça. Bon, j'espère que vous êtes dans le même véhicule pour faire de la radio. Hein. Parce que plutôt que de rester chacun dans le vôtre, si vous êtes un arbre à côté de l'autre, ça serait plus cohérent. Ah nous, là on fait tout. On fait tout, on navigue d'un véhicule à l'autre, de l'autre, on fait dans tous les sens. C'est dès que l'un de nous deux entend un truc, paf, hop, le deuxième le rejoint, ainsi de suite. Et en plus de ça, le copain en question a branché une autre antenne, une antenne UHF pour le 446 mégas. Donc là tout à l'heure justement j'étais à côté de lui et pour le coup il a attrapé quelqu'un à Noël qui passait sur le pont de l'île de Léron et la station une fois rendu au bout, paf, demi-tour et il est venu nous rejoindre là ici. Bon, ce qui nous a permis de faire un bisou, de papoter un petit moment et tout, ça, tac, voilà, c'était bien sympa. C'est voilà ça fait partie des plaisirs de la radio tout simplement quoi. Absolument avec vous. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui se passait dans les années 80, voilà, où il y avait pas mal de bisous à l'époque sur le canal où on avait entre le 19 et le 27 de l'époque. Bon, aujourd'hui, c'est complètement révolu, car il n'y a plus personne. Hein. De communication, mais il y a toujours le lien qui existe et ça c'est quand même bien sympathique. Hein. Voilà, ce sera plus l'époque des années 80. C'est votre marron parce que c'était encore la difficulté à la petite guerre entre guillemets entre les rats et les civistes. Hein. Donc voilà, il y avait des quoi que les civistes avec le temps. Et puis le mois de son fulgurante qu'il y a eu Sur un tas d'évolutions, on peut aborder tout un tas
de sujets de conversation, que ce soit sur le pont, que ce soit sur le partage, et il y a plus d'ouverture d'esprit. Enfin, moi, c'est ce que je ressens concrètement aujourd'hui, hein, après avoir traversé la radio pendant de nombreuses années. Hein, voilà. Je trouve que de reprendre aujourd'hui, je reprends avec beaucoup de plaisir. Christian Rémy. Ah oui, 100% QSL, puisque pour ma part, bon, je suis sur les ondes depuis, enfin sur la CB depuis 1982, sur les ondes du côté portable avec les Takiwalki qu'on avait à l'époque depuis les années 70. Donc oui, il n'y a pas de problème. Disons qu'à l'époque, ce qui se passait là dans les années 80, tout ça, c'est que la CB pour la partie 40 canaux, bon, c'était de toute façon la CB, le premier réseau social libre grand public. Donc déjà c'est pas rien. Et du coup, c'était en même temps là, un peu parfois la cour maternelle, quoi. Hachi. Voilà, mais bon, cette cour maternelle, depuis avec l'arrivée d'Internet et tout, a dérivé sur les réseaux sociaux, où toutes ces personnes qui se lâchaient à l'époque sur la CB, maintenant continuent à le faire là, sur Internet. Et tant mieux pour nous, ce qui nous permet justement d'avoir une CB plus propre, on va dire. Voilà. Alors du côté des 40 canaux, c'est pas tout à fait vrai, hein, qu'il y a plus grand monde dessus. L'utilisation par contre a changé. C'est alors les stations qui se trouvent dessus sont principalement sur leur canal habituel, sans vraiment en bouger. Pour les autres qui sont sur le 19, eh bien ils sont plus en écoute. Il faut vraiment signaler quelque chose pour que les gens se sentent concernés et prennent le micro. Il y a quand même quelques stations fixes qui viennent sur le 19. Tous les vendredis soir, samedi soir, dimanche matin, on fait un QSO sur le canal 27. Bien souvent, il se fait en USB. Bon, le canal 27, de toute façon, faut pas se leurrer, aujourd'hui, hein, il est redevenu un canal normal. Hein. Les stations qu'il utilisait autrefois sont redescendues depuis sur le 19. Hein. Donc là, ça gêne pas vraiment. Et puis c'est juste pendant un laps de temps. Et l'autre, là, 14 km 3306, là, qui s'en va avec mon YL. Hachi-3-coup. Oui, ils vont comme ça. Bon, ils vont se balader. Hachi-3-coup. Bon, ben, toi, là, pendant un laps de temps, là, je suis célibataire à faire de la radio. Putain, mais ça, c'est le bon plan, ça. Pouvoir faire de la radio sans avoir l'YL sur le dos, quoi. Hachi-3-coup. Ça va être la petite anecdote, ça, de ce soir. J'étais marié très longtemps, bon, je suis divorcé maintenant, c'est un petit paquet de temps, voilà. Bon, j'étais tout le temps passionné par ça, quoi. Bon, mais j'avais cette éventuelle, ben, que ça en a des, franchement, hein, voilà, il faut appeler un chat un chat, hein. Ça en a des, grossement, c'était pas sa cave. Elle y trouvait pas d'étage, quoi. Bon, après, voilà, c'est pas parce qu'on est marié qu'on peut pas avoir l'un et l'autre des choses qui nous passionnent, quoi. Mais bon, c'était pour l'anecdote, bon, c'est le parti début dossier. Bon, début dossier, faut pas les rouvrir parce que ça nous emmerde. Chien. Voilà, mais quand je dis, ben là, sympa les copains. Mais écoute, Rémi, c'est quand même sympa de pouvoir communiquer, rediscuter de choses et d'autres, voilà, notamment de la radio des années 80, quoi, à l'époque où il y avait quand même des. Comme je disais tout à l'heure, Daniel, je crois, oui, il me semble. Il y avait pas mal de même que je connaissais sur La Rochelle. Il y avait Femur, qui était un médecin, qui était sur l'hôpital de La Rochelle. Il y avait TGV, un conducteur de train, qui habitait, je crois, vers Yves, là-bas, plus précisément au Marouillet. Enfin, donc voilà, il y avait pas mal de stations. Enfin, il y avait Alexis, c'était Corsair, qui était sur Fort, je crois. Enfin, non, il y avait une espèce, c'était l'équipe, il y avait les conducteurs de bus aussi, qui appelaient les bus les aquariums. Enfin, donc voilà, les années 80, c'était quand même terrible. Hein. Enfin, bon, même si des fois c'était insupportable, mais c'était quand même terrible. Terrible par la joie de vie, par les conneries, quoi, du sang dans le main.
l'occasion et c'était quand même plutôt... ouais, c'était quand même cuéro, hein, voilà. Des fois, vraiment chiant, mais c'était quand même... Il y avait plus de côté très cuéro, très, très solennel, très intéressant. Et donc, ouais, mais, ouais c'était bien rock'n'roll, quoi. Hein. Le sel, Rémi. Tu m'étonnes. Ah ben c'est vrai que moi j'ai toujours bien aimé hein, ce côté folklore là qu'il y avait à l'époque. Hein. Ah oui non mais ça m'a jamais posé un problème ça, hein, loin de là. Hein. Ce qui posait plus un problème, c'est quand la début des années 90, je ne sais plus à quel moment exactement, j'ai un peu oublié. Enfin bon bref, quand le permis à point est arrivé. Et que d'un seul coup, les non-cibistes, on va dire ça comme ça, se sont emparés de la cibie comme un anti-radar. Et de toute façon, ils étaient facilement reconnaissables, hein, puisqu'ils avaient, ils avaient principalement des petits postes avec des micro-antennes, histoire d'être soi-disant plus discrets. Et donc là, on était. C'est vrai qu'on n'aimait pas trop renseigner là, ces gens-là. Et là, c'est vrai que ça partait très vite en insultes et tout ce qui s'ensuit, quoi. Mais là, on est plusieurs quand même à se poser la question si, avec les nouvelles lois et tout, là, qui sont en train de se mettre en place contre les logiciels de signalement, je ne vais pas dire les noms, pour ne pas faire de pub, pour signaler la position des radars et tout ce qui s'ensuit. Je me demande si on risque pas à un moment donné de revoir les gens s'emparer à nouveau de la CIBI pour ça quoi. Ouais, c'est bon, hein. Tu vois que c'est un moyen de communiquer pour ça. La plupart des applications qu'on a sur les téléphones ou les smartphones, enfin peu importe, on peut dire ce qu'on veut, hein. Les applications GPS, elles sont toutes toutes incluses. C'est là qu'il faut aller chercher ce que dit l'OM à l'intérieur de ça. Donc, tu parles déjà de la 5G, hein, voire plus, en sans même pas aujourd'hui gérer la 4G, qui à l'époque déjà ne gérait pas la 3G, qui parlait de la 4G. Je crois qu'on veut tout de suite. Et là, moi, je pense qu'il faut lever. Franchement, il faut lever le pied. Sur un certain. Là je suis complètement surmodulé là par l'Allemagne là derrière. En plus là j'ai le copain à 14 km 3306 là qui vient me chercher, il veut me montrer quelque chose. Il vient d'avoir des idées là pour le salon demain là pour l'activation. Donc il va falloir que je coupe court. Désolé, Hachi, je vais t'envoyer les bonnes soirées 51. Merci pour ce QSO là qui était vraiment sympa. Hein. Bon je vais voir là ce qu'il veut montrer justement là à ce niveau-là pour ajouter un petit plus là demain l'activation qu'on va faire depuis le stand de Marraine. Puisque en plus de ça, ce qui se passe. C'est qu'on est quasiment les seuls au niveau CB à faire une activation radio depuis l'intérieur d'un salon radio, depuis le stand même.
Et ça, c'est pas rien, ça. Et ça fait déjà quelques années qu'on le fait comme ça, quoi. Voilà. Alors là, par contre, ce que je trouve dommage, c'est que c'est pas encore donné d'idée à d'autres salons d'en faire autant. Pourtant, ça serait un vrai plus pour les salons. C'est, enfin bon, bref, chacun voit midi à sa porte. Et je suis reparti à parler. Alors, je vais t'envoyer des bonnes sur 1351. Merci pour ce QSO. Hein. Et à très bientôt en fréquence. Vu que là, on est, on va dire, sur la première marche là, du retour de Propag. Donc là, on s'attrapera forcément à nouveau en fréquence. Alors, pour le QTH QRA. Alors pour ma part, c'est du côté de Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille, sur la Gironde. Donc là-bas, je suis installé en fixe, plus là le mobile comme là ce soir. Et donc là où il y a La Rochelle, tout ça, c'est déjà passé de mon côté, là tous ces coins-là, ça, c'est déjà passé de mon côté. Donc il n'y a pas de problème. Allez, je te renouvelle les 73, merci pour ce QSO et à très bientôt en fréquence. Merci beaucoup à vous et profitez bien de la propague. À la prochaine. À bientôt. Bon, je vais vous laisser un peu là-dessus, le temps d'aller voir ça. Surprise, surprise. Environ 3 hosts above.
Eh bien, on va passer QRT, il est 23h05. Demain matin, je sais plus, je crois qu'on se lève à 6h, hein, dans ces eaux-là. On va commencer, on va monter les antennes avant même l'ouverture du salon. Comme ça, dès qu'ils nous ouvrent les portes là pour les exposants, on n'aura plus qu'à brancher ce poste-là, justement. Là. Et puis voilà, quoi. On sera... Il n'y aura plus qu'à profiter de la journée après. Voilà, les bonnes 73, bon 144, merci, bonne nuit. Je me dis merci à moi-même, en plus. Achille.